Écoutez, madame, un brave garçon comme le vôtre, ça disparaît pas comme ça, ne vous inquiétez pas. Mon fils, il est pas comme ça. De toute façon, toutes ces histoires-là, c'est pas lui. Si vous trouvez quelque chose, ne touchez à rien. Ça lui ressemble pas, c'est... Je veux dire, même ses coups, il en a pas loupé, il en loupe pas, il est comme ça, il est... Je connais bien Dali. Ah bon? Ouais, je lui ai donné des cours particuliers de français l'année dernière. En tant que professeur, on devine pas mal de choses sans qu'il ait véritablement besoin de mots. Il s'est confié à vous? Sa famille est aveugle, elle l'étouffe. Je sais pas pourquoi ce monsieur vous dit ça, peut-être que c'est lui hein, qui provoque ces humeurs chez mon fils. Si on fait cette battue, vous pensez qu'on peut retrouver son cadavre dans cette forêt? Pourquoi vous utilisez cette formule « cadavre dans cette forêt » ? Jusqu'à preuve du contraire, on est là pour trouver des traces seulement. Et où est-ce qu'il donne ses cours alors? Il a une pièce à lui, quelque chose? Ben, la plupart du temps là, sur la table, ou sinon parfois dans la cave. La cave? On a négligé quelque chose. Depuis le début de cette enquête, on a cru la mère. Pourquoi tu veux absolument que cette femme, elle mente? Hein? Elle a pris 20 ans dans la gueule, là! Dis-le, là! Merde! Votre mari, vous avez déjà parlé de Dany ou pas? Vous cherchez quoi en me demandant toutes ces choses sur Yann? Je vais me lever et partir. Assis, assis! Je crois avoir des droits dont vous ne tenez pas compte.